Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser ce petit chausson au crochet. Donc pour cela on a besoin d'un bout de pelote de laine, enfin de deux bouts de pelote de laine, donc de couleurs différentes. Donc vous n'avez pas besoin d'acheter des grosses pelotes. Si vous voulez finir vos restes de pelote, et ben ça sera parfait. Alors, et aussi vous avez besoin d'un crochet 3,5 pour la réalisation du chausson. Donc je vais commencer par faire une chaînette de 12 mailles. Donc ici c'est pour une taille naissance, mais si vous voulez une taille supérieure pour le chausson, vous avez juste à prendre un crochet supérieur, donc soit un crochet 4, 4,5, maximum 5, en gardant les mêmes explications. Donc là je vais faire une chaînette de 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais faire un jeté et je vais compter 1, 2 et je vais piquer dans la troisième maille et je vais venir faire une demi-bride dans les boucles. Donc je vais à nouveau faire un jeté et je pique dans la même maille et je fais une demi-bride. Donc, c'est-à-dire que je passe mon fil dans les trois boucles. Donc ici, ça nous fait trois demi-brides, pardon, parce qu'on compte celle-ci en demi-bride. Un jeté et je vais faire 8 demi-brides individuelles dans les 8 mailles suivantes. 4, donc 8 demi-brides dans les 8 mailles suivantes. Là, il vous reste encore une maille. Et bien, dans cette maille, je vais faire 5 demi-brides. 1, 2, 3, 4, et 5. Et maintenant, je vais faire 8 demi-brides dans les 8 mailles. Donc en fait, je pique vraiment en dessous des 8 demi-brides qu'on a fait ici. Donc 8 demi-brides dans les 8 mailles individuelles. Pour finir le premier rang de la semelle, je vais venir faire 3 demi-brides ici. Donc juste dans le trou qui est ici. Donc soit dans la première maille qu'on a travaillé. Donc 3 demi-brides. Voilà, le premier rang est terminé. Alors, pour commencer le deuxième rang, je vais prendre un petit bout de laine d'une autre couleur. Ça va me servir pour marqueur. Donc, pour marquer mes rangs. Donc, je vais commencer par faire un jeté. Et je vais faire deux demi-brides en dessous de là où j'ai fait mes mailles en l'air. Donc les mailles en l'air, c'est les deux mailles qu'on n'a pas crochetées au début du rang. Donc ici, je fais deux demi-brides.
Et dans la maille suivante, à nouveau, deux demi-brides. Et je continue mon rang en faisant 8 demi-brides individuelles. 2, 8 demi-brides individuelles. Je fais mes 8 mailles individuelles et là je vais venir faire des augmentations. Donc soit 2 demi-brides dans 5 mailles. 1, hop, 2. Donc là je fais 2 demi-brides en fait dans chacune des mailles, soit dans 5 mailles. Donc là, 3, 4, et dans la cinquième, à nouveau, 2 demi-brides. Et là, 5. Et 8 demi-brides, à nouveau. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Et là, donc, il vous reste trois mailles. Et maintenant, ces trois mailles, je vais faire des augmentations. Donc, soit 2 demi-brides dans ces 3 mailles. 2. Et notre deuxième rang est terminé. Donc, pour le troisième rang, je passe mon marqueur, donc le fil de mon marqueur, au-dessus de celui-là. Et je vais faire une demi-bride dans la maille où il y a mon marqueur. Dans la maille suivante, je vais faire deux demi-brides. Là. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et dans la maille suivante, à nouveau, deux demi-brides. Et je fais 8 demi-brides individuelles. 8 demi-brides. Je vais à nouveau faire une demi-bride dans la maille suivante. Ici, je vais refaire deux demi-brides dans la même maille. Une demi-bride dans la maille suivante. Deux demi-brides dans la maille d'après. Une demi-bride et deux demi-brides dans la maille d'après. Encore une demi-bride et deux demi-brides dans la maille qui suit. À nouveau une demi-bride. Et deux demi-brides dans la maille qui suit. Celle-là ne veut pas venir. Donc deux demi-brides dans celle-ci. Voilà.
Puis je fais 8 demi-brides individuelles. Et pour terminer ce rang, donc il doit vous rester 6 mailles avant d'arriver à la fin du rang. Donc là, je vais refaire une demi-bride seule et une augmentation dans la prochaine maille. Une demi-bride seule et une augmentation dans la maille suivante. Donc à nouveau une demi-bride seule et la dernière augmentation dans la maille suivante. Et donc la semelle est terminée. La semelle de mon chausson est terminée et donc ici j'ai 46 mailles. Alors maintenant je vais changer de couleur. Donc je vais prendre la couleur rose pâle et dans ma prochaine maille je vais piquer mon crochet juste ici. Donc je vais piquer dans la maille arrière, mais en prenant la maille arrière je vais aussi prendre le brin qui est juste derrière, donc ce brin là pour que ce soit plus costaud. Donc hop, je pique dans les deux brins et je vais venir unir en faisant une maille serrée. Comme ceci. En ne pas oubliant par contre de déplacer le marqueur, pardon. Donc je sépare mes petits bouts. Et donc là, je vais crocheter avec le brin arrière et le brin qu'on voit juste ici. Donc si vous voyez bien, hein, je prends ces deux brins et je fais une maille serrée. Donc à faire comme ceci tout le rang, donc tout le tour de ce chausson. Voilà, donc j'ai fini mon rang avec la deuxième couleur. Alors bien entendu, hein, celle-ci, c'est la première maille de notre dernier rang. Donc je la crochète en déplaçant mon marqueur. Hop. Donc là, c'est la première maille de notre deuxième rang. Donc je la prends et je fais une maille serrée. Donc cette fois-ci, c'est dans les deux brins. Hop, et je fais une maille serrée sur tout notre rang. Oups, c'est pas une maille serrée. Voilà. Et donc là, je vais faire 3 rangs de mailles serrées. Alors, je viens de finir mon 4e rang avec la couleur rose pâle. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait comme un petit bateau. Donc là, je vais attaquer le rang où je vais faire des diminutions pour avoir la pointe de notre chausson qui va se former. Donc toujours en maille serrée, je vais faire 15 mailles serrées. Donc 15 mailles serrées. Et là, je vais attaquer les diminutions. Donc après mes 15 mailles serrées, j'attaque les diminutions. Donc pour cela, je pique dans la première maille, je fais passer mon fil. Je pique dans la deuxième maille et je fais à nouveau passer mon fil. Et je fais comme si
je faisais une maille serrée. Donc je passe mon fil dans toutes les boucles. Dans la maille suivante, je fais ma maille serrée individuelle. Et ça, c'est à répéter 6 fois. Donc là, c'est la première fois. Donc 5 autres fois, je fais une diminution et une maille serrée par la suite. Et une maille serrée. Donc, à nouveau, une diminution. Donc soit la troisième. Et une maille serrée. Une diminution. Et une maille serrée. Donc je compte. Un. Donc là on voit bien les diminutions, elles sont beaucoup plus grosses. 1, 2, 3, 4. Donc la cinquième. Et la sixième. Hop. Et une maille serrée. Et je vais continuer mon rang jusqu'au bout en maille serrée. Pour le deuxième rang de diminution. Donc c'est pareil, je crochète 15 mailles. J'ai fait mes 15 mailles serrées et je vais faire 6 diminutions. Donc comme pour le rang précédent, sauf que là je ne vais pas faire de mailles serrées entre les diminutions. C'est vraiment 6 diminutions. Hop. Deux. Trois. 5 et 6. Et je fais des mailles serrées jusqu'au bout. Au rang suivant. Et ce sera le dernier rang. Donc je vais commencer par faire une diminution. Donc je pique dans la première maille, la deuxième maille, et je ramène mon fil dans les trois boucles. Et je fais 12 mailles serrées. Donc 12 mailles serrées. Ensuite faire 4 diminutions, donc pareil que pour le rang précédent. 1, 2, 3, 4. Et je vais ensuite faire 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais à nouveau une diminution. Et je ferme mon rang avec une maille coulée. Car c'était notre dernier rang. Et je peux couper mon fil.
bordure du chausson, je vais faire un point écrevisse. Donc c'est une maille serrée qui se fait à l'envers. Donc je vais vous expliquer comment on y fait. Alors, je vais piquer dans la maille où j'ai réalisé ma maille coulée. Donc comme ceci, je fais une maille en l'air pour fermer la boucle. Je vais passer mes deux fils qui sont ici, je vais les tenir dans ma main droite, donc avec mon crochet. Donc pour qu'ils passent en dessous de mon point écrevisse. Donc je recommence. Hop. Donc le point écrevisse, je pique avec mon crochet comme ceci, je le tourne dans la maille qui est à l'arrière. Je récupère mon fil et je fais ma maille. Donc je refais. Hop. Je pique à l'envers, je récupère mon fil et je passe dans les deux fils. Et là, j'ai fait mon point écrevisse. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc tout en passant au-dessus de ces deux fils. Fin du rang. Et là où j'ai fait ma première maille écrevisse, j'en refais une. Et je tourne, et juste ici, hop, je fais une maille coulée. Je tire. Et je peux couper mon fil. Voilà. Et le petit chausson est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ici, il vous reste plus qu'à rentrer les fils ou les couper, c'est comme vous voulez. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc je vous dis à bientôt et vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook qui porte le même nom que ma chaîne YouTube. À bientôt !